Il a 6 frères et sœurs, son papa est agriculteur et sa maman est femme au foyer. Ils vivent dans un village isolé du côté de Ficelle. Ficelle est une petite ville à environ 100 km au sud de Dakar. Nous échangeons par courrier 2 à 3 fois par an. Je reçois aussi tous les ans une nouvelle photo de lui, ce qui me permet de le voir grandir et ça, c'est vraiment sympa. J'ai eu le bonheur de rencontrer Ngom en 2008. Nous étions vraiment très intimidés tous les deux. L'équipe Chaiphone sur place avait organisé une journée de rencontre où j'ai aussi fait la connaissance de ses parents, de certains de ses amis et de toute l'équipe Chaiphone. C'était vraiment une journée mémorable, très riche en émotions et cette journée m'a vraiment confortée dans mon parrainage. 25 euros pour sortir un enfant de la pauvreté et de lui permettre un meilleur avenir, c'est vraiment pas grand chose. Je pense qu'on en dépense beaucoup plus dans des futilités. Je lui dirais, qu'est-ce que tu attends? Ça ne coûte presque rien et c'est tellement riche en émotions. Il faut parrainer.